Je dirais surtout au niveau de l'environnement, du développement durable, de resserrer les lois qui sont là en ce moment sur les entreprises pollueurs. C'est moins cher de payer des amendes que de refaire certaines structures. Aussi au niveau développement, favoriser le recyclage dans les entreprises qui ont moins d'argent, donner de l'argent justement pour faire des programmes à l'intérieur des entreprises. Aussi, c'est certain, conciliation, famille, travail, études aussi, donner un coup de main là-dessus, donner un coup de main aux jeunes qu'il faut qu'ils se replacent sur le marché du travail, qu'ils sautent d'un endroit à l'autre, d'avoir une meilleure formation. Garder le problème au niveau du travail aussi, travailler de soir, de jour, de nuit, au niveau des services de garde, c'est difficile, surtout quand les deux parents travaillent ou que c'est monoparental. Puis évidemment, augmenter encore le taux de syndicalisation au Québec, on en a bien besoin.